Quand Ouattara pleure derrière Macron et que Macron ne veut pas, voilà des circonstances. Et Ouattara dit, toi Macron, je ne suis pas pressé, je t'attends. En même temps que Ouattara est déçu parce qu'il a donné excusez-moi, il a donné près de 7 millions d'euros pour financer la campagne de l'autre. Il dit, ah, je n'ai pas quand même tout perdu. C'est vrai que mon candidat n'a pas gagné, mais quand je regarde le programme de gouvernement, le projet de société du président Pastef, j'ai une porte de sortie avec Macron. Certes, quand Chris Chappé nous dit Alassane Ouattara a donné 7 millions d'euros, mais ce que Chris Chappé ne sait pas, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a donné, c'est la France qui a financé. Et comme Macky Sall était observé de loin, tous les faits et gestes, rien ne pouvait venir dans sa main directement. Donc on fait transiter l'argent par la Côte d'Ivoire et puis on envoie au Sénégal. Ouattara a toujours financé les campagnes des présidents, ça ne serait pas surpris. Il a financé la campagne de Jinping au Gabon, on a vu. Il a toujours fait ça. Et il dit à son maître, je crois en telle personne, la France envoie l'argent. Alassane, sinon Alassane Ouattara prend l'argent et puis donne. Vous n'allez jamais voir ça. On lui donne, il donne. Donc, Alassane Ouattara dit à Macron, attention, si je ne suis pas là pour surveiller les enfants, ça va être compliqué. Les enfants, les veulent toucher au franc CFA. Les enfants, là, ils sont têtus. Les enfants, là, ils sont comme les assimilés. Ils vont se rendre compliqués. Donc, il faut qu'on soit là pour les empêcher. Si tu m'enlèves là, qui va bloquer? Parce que moi, je suis capable de violer la loi et puis je m'en fous. Je viole la loi, je viole les tests, je m'assois et puis j'assume. Mais qui peut faire ça? Si on les laisse et qu'ils s'associent à Assimi Goïta, c'est fini pour le franc CFA. Sur 7 pays, il y a 3 qui sont déjà sortis, ça reste 4. Et un pays de poids, le Sénégal se retire, ça fait 4 contre 3. C'est fini, le CFA est mort. Sur le Sénégal, soit c'est fini, il n'y a plus de CFA, c'est terminé. C'est terminé. Alors, donc, Alassane Ouattara vient de trouver sa porte de sortie. Alassane Ouattara vient de trouver sa raison d'être adoubé pour un 4e mandat. Moi, j'ai dit pour moi, asseyons-nous et puis regardons. Si c'est vrai ou faux, asseyons-nous et puis regardons. Vous allez voir tout ce que la France va adouber la candidature. Pourquoi la France a adoubé la candidature de Dibi? Pourquoi la France a adoubé la candidature de la présence du général vendeur de drogue, brigand criminel au Gabon? Alors, vous croyez que c'est la France qui aura un problème pour adouber la 4e candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat? Alors que les jeunes gens au Sénégal, ils veulent renégocier le franc CFA. Alors que de là, tel que le franc CFA a été négocié, et la transition du franc CFA à l'écho, tel que négocié par Emmanuel Macron. Si vous voyez que jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'écho a du mal pour démarrer, c'est parce que tel que présenté par Alassane Ouattara, les pays de l'Union ne sont pas intéressés. Ça a été signé, mais personne n'est intéressé. Et la CEDEAO ne veut pas. Donc, ils veulent revenir et puis renégocier tous les points clés. Ils veulent pas de l'écho. Alors que l'écho, jusqu'à présent, la parité donne une marge de manœuvre. Vous savez, la parité du franc CFA, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez bien. De la même manière que les Américains ont obligé le monde à accepter le dollar comme la monnaie internationale d'échange, la monnaie internationale du commerce, ça fait que c'est le monde entier qui finance et qui paye la dette des États-Unis sans se rendre compte. C'est aussi simple que ça. Et la France a appliqué le même système des Américains. Les Américains ont élargi le dollar au niveau du monde. La France a copié exactement le même système, le même modèle américain, mais la France l'a adapté à 14 pays africains. Il allait plus loin, elle allait plus loin, autant pour moi la France, elle allait plus loin. Au lieu que le franc CFA soit la même monnaie avec la même valeur entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, la France s'est arrangée pour faire en sorte que le taux d'échange entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas la même chose. Le même franc CFA que vous prenez ici, si vous allez au Cameroun, vous n'allez pas le manger. Non. Il faut l'échanger au franc CFA de la CEMAC ou bien quoi la même. De la CEMAC pour pouvoir l'utiliser. Leur franc CFA, tu prends chez eux, tu viens avec ici, chez nous, ça ne passera pas. Ça, c'est la France. Et là, les pays africains n'ont pas vu le mal en cela. Et Alassane Ouattara nous maintient toujours, parce que lui, il a besoin de la France, comme c'est un vieux ingrat, irresponsable et inconscient. Tant que ça marche pour lui, les autres, c'est pas son problème. Un vieillard de son âge, de plus de 82 ans, qui sacrifie l'avenir des jeunes gens pour son intérêt personnel. Je me demande ce que Dieu va faire avec ce vieillard irresponsable et idiot en même temps. Alors, pour revenir encore, Laurent Gbagbo dit, 3 pays sont sortis. Ce n'est pas fini. D'autres pays vont suivre. En lui parlant, il faisait allusion au Sénégal. Parce que le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA n'est pas bon. Il dit, le franc CFA n'est pas bon. Tu veux mon direct là. Donc, le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA, ce n'est pas bon. J'insiste, le franc CFA, ce n'est pas bon. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit, le capitaine Traoré l'a compris. Le général Tiani l'a compris. Assimi Goïta l'a compris. Et aujourd'hui, Dieu merci, le président du Sénégal, elle l'a compris parce que le projet Pastef remet en cause le franc CFA. Alors là où nous, on s'inquiète,
Nous, moi, je suis vent debout. Je me bats. Je me bats pour la sortie de nos états du franc CFA. Aujourd'hui, je sais que la France, il n'y a pas. C'est-à-dire, je ne vois même pas comment la France peut passer pour venir nous dérouter ou nous déstabiliser au Mali, au Burkina ou au Niger. Mais contrairement au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui a une politique beaucoup perméable. Nous, on a pris le temps de colmater les brèches chez nous. On a pris le temps de fermer les brèches chez nous. On a pris le temps d'asseoir la politique nationale de nos différentes transitions chez nous. Même le Niger, qui est le dernier en date, a pris le temps de bien colmater tout, dans tous les cas. Pourquoi le Niger a chassé les États-Unis? Alors, pour que le Sénégal puisse appliquer valablement son programme monétaire, sa souveraineté monétaire, il y a un élément fondamental, parce que les Français même ne le cachent pas. Ils sont assis et ils attendent le Sénégal. Parce qu'ils ont peur. La plus grande base militaire aujourd'hui, c'est au Sénégal. Mais pourquoi au Sénégal? Pour protéger leurs intérêts par rapport à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCAO. Vous croyez que l'armée française est au Sénégal, pourquoi? C'est pour préserver les intérêts français, des entreprises françaises et de l'investissement français. Et la BCAO est la machine répressive néocoloniale de la France pour dominer et assujettir les États. Donc, l'armée française à Dakar veille à ce que la BCAO fonctionne conformément aux diligences de l'Élysée. Pour que Ousmane Sonko, pour que le président Faye réussisse son programme, il faut d'abord se débarrasser de l'armée française à Dakar. Il faut demander le départ coordonné de l'armée française de Dakar. Tant que l'armée française va rester à Dakar, s'ils veulent entreprendre les réformes économiques et les réformes monétaires pour la souveraineté monétaire du Sénégal, je ne donne pas cher la peau du gouvernement Faye. Ils seront tous liquidés par la France. Ils vont tout de suite susciter deux ou trois véreux officiers ou sous-officiers, leur donner l'argent tout de suite. Ils sont en train d'attaquer mon direct. Les gens n'aiment pas ça. Ils sont en train d'attaquer le direct, c'est pas grave. Donc, ils vont tout de suite pousser des gens, des petits militaires crasseux, idiots, irresponsables, des vendus. Ils vont les pousser dessus. Ils sont en train de nous attaquer. Je vois qu'à la salle, là, ils sont énervés maintenant. C'est la partie qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le coup d'État, ils n'ont pas envie d'entendre ça. C'est pourquoi je vous demande pardon. Faites remonter cette intervention au niveau de Sonko, au niveau du président du MyFi. Faites remonter cette intervention sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que ce serait une chose facile pour Ousmane Sonko et le président Faye. Je vous jure que la France les tient à l'œil et la France les observe. La France va manipuler des jeunes officiers pour se débarrasser de ces deux hommes-là. Avant de toucher à la réforme du franc CFA, il faut d'abord dénoncer la coopération militaire avec la France. Il faut d'abord se débarrasser de la France. Il faut d'abord se débarrasser de la France. Si l'armée française reste au Sénégal et qu'ils veulent entamer, c'est ce qui a tué le président Compaoré. Jérémy Compaoré et chose Sankara et les autres présidents. Les Américains sont au Sénégal. Il faut les expulser du Sénégal. Il faut expulser les Américains du Sénégal. Il faut expulser les Américains et les Français. Il faut les expulser. Et je ne sais pas s'il y a une base de l'Union européenne au Sénégal. Il faut les faire partir. C'est après cela qu'il faut s'attaquer. Parce que moi, je souhaite d'abord que les gens règlent la question militaire avec la France et les États-Unis avant de s'attaquer à la question monétaire. Si jamais ils se croient, parce qu'on a la démocratie sénégalaise, on est sûr, mon ami, vous blaguez. Vous avez affaire à des criminels qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Si vous voulez vous attaquer à la question monétaire, au contrat, sans d'abord chercher à demander à la France de partir, et vous allez renégocier la présence française et américaine au Sénégal, avant toute chose, attaquez-vous d'abord à cela. Et ça, c'est un. Il faut demander le départ. J'insiste, il faut demander le départ de l'armée française du Sénégal. Deuxièmement, il faut demander le départ de l'armée américaine du Sénégal. Troisièmement, il faut arrêter la coopération des échanges en matière de renseignement. Il faut liquider tous les directeurs des différents renseignements qui sont là. Quand je dis liquider, c'est les renvoyer. Que ce soit le renseignement militaire, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau du Conseil national de sécurité au Sénégal, que ce soit au niveau de la présidence. Il faut renouveler la tête de ces différentes structures de renseignement au Sénégal. Il faut commencer à récupérer d'abord la souveraineté sur le renseignement. Si vous vous amusez à vouloir faire quelque chose sans d'abord gérer le renseignement, comme tout bon Africain, la communication, c'est pas leur problème. Ils finissent de tout mélanger sans sommeil parce que la... Alors que le blanc, j'ai aimé Alain Foucault, il a fait une rubrique où il a dit l'Angleterre dépense des centaines de millions d'euros en communication. Les États-Unis dépensent des milliards de dollars en communication. La France, des centaines de millions d'euros en communication. C'est chez nous ici, là, on dort peinard. Communication même, là, le béaba même, la communication, on ne maîtrise pas. Souvent, même quand je vois les gens sur les réseaux,
quand il y a quelqu'un qui commence à faire des bonnes actions, ils vont, c'est sur les réseaux. Et encore, les réseaux sont très mal exploités. Je vais profiter pour demander au Premier ministre le dialogue intermalien. Je vais demander au ministre Abdoulaye Maïga. Ils ont vu les erreurs lorsque les réseaux ont été écartés dans la campagne pour le oui au référendum. Je leur demande dans ce dialogue, dans ce processus de dialogue intermalien, les gens sont plus sur les réseaux, ils écoutent plus sur les réseaux. Et malheureusement, l'erreur au Mali, je ne sais pas quel langage on doit parler avec nos autorités maliennes pour qu'ils comprennent. Je ne sais pas quel est leur problème. Et jusqu'à présent, ils ont du mal à comprendre. Quand c'était gâté en Côte d'Ivoire, tout de suite, ils ont appelé tous les influenceurs ivoiriens à la dernière minute. Rapidement, rappelez-vous, pour faire avancer la canne. Quand c'était gâté, les éléphants étaient sur le point d'échouer. C'est les influenceurs qui ont joué un rôle, même si on peut ne pas les apprécier, mais ils ont joué un rôle ce jour-là. Nous, chez nous ici, pendant qu'on est dans une situation, au lieu de s'appuyer sur les réseaux, je ne dis pas tout le monde, il y en a qui sont bons. C'est pas tout le monde, c'est pas tout ce wow, c'est pas ça que je dis. Vous pouvez utiliser certains dans le cadre du dialogue intermalien. Les gens dans les villages, dans les communautés, je sais pas où est-ce qu'ils regardent. J'ai du mal à comprendre comment jusqu'à présent nos autorités n'arrivent pas à cerner cela. Et dans les villages, les gens s'en fichent. Il n'y a même pas ORTM là-bas. Il n'y a même pas de truc ORTM. Mais dans les villages, chacun a son petit téléphone. Et quand quelqu'un parle, nous, par exemple, quand on parle comme ça dans le village, les gens, ils mettent, avant quand je faisais un bambara, et puis tout le monde, les gars sont là. C'est batterie, genre. Mais et les gens qui récupèrent après, et puis font sous forme d'audio là. Les gens écoutent. Mais chez nous, ici, jusqu'à présent, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris l'impact de la communication. Ils n'ont pas saisi. Bon, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Nous, on ne fait qu'alerter, et puis on les regarde. Alors, donc, je reviens avec le président Ousmane Sonko. Quand je dis le président, c'est le président du FASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko et le président du MIFI. Faites beaucoup attention. Je vous demande de rompre d'abord ou de revisiter d'abord, de déterminer d'abord le caractère juridique et politique de la présence de l'armée française et de l'armée américaine au Sénégal. Réglez ça. Dès que vous finissez de régler ça, vous vous attaquez ensuite au gros dossier par rapport aux passations des marchés. Ensuite, vous allez regarder la question du franc CFA. C'est pas une précipitation, le franc CFA. Prenez le temps pour regarder, analyser. Mais avant, il faut protéger vos arrières, comme on le dit dans le français courant. Il faut prendre en main vos différents services de renseignement. Il faut démettre de leurs fonctions tous les directeurs actuels à l'état de tous ceux qui ont été nommés par Macky Sall. Il faut les démettre tous de leurs fonctions. Nommer de nouveaux directeurs à ces postes stratégiques de renseignement. Commencer à négocier ou à revoir les accords entre la présence de l'armée française et de l'armée américaine au Sénégal. Et ensuite, vous allez vous attaquer. La sortie du franc CFA est une nécessité. Si des réformes courageuses sont faites pour dire que nous, on n'est pas pressé, on regarde d'abord. Sinon, on a notre monnaie qui est prête. Et dès qu'on va lancer notre monnaie, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Et la monnaie, elle est prête. C'est les, comme l'a dit Choguel, c'est une décision politique. Les spécialistes, les techniciens sont en train de travailler pour éviter que notre monnaie, quand elle va sortir, elle devienne tout de suite une monnaie qu'on va tout de suite taxer de faible. Et puis, on voit en Guinée, là, non? Alors donc, nous allons continuer à soutenir. Moi, vous savez, quand je donne ces gens de conseils, c'est à eux d'apprécier. On dit ils sont novices, c'est-à-dire ils sont nouveaux dans la gestion de l'État. Mais personne n'est né avec la gestion des États. On apprend, l'expérience s'acquiert avec la pratique. Cependant, par rapport à ma petite expérience, ce que je peux souhaiter et suggérer au Sénégal, c'est l'exemple du Mali. Le Mali a pris en main d'abord son renseignement à tous les niveaux. Le Mali a opéré des changements stratégiques à tous les niveaux de nomination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Asmi, il a la réalité du pouvoir et il travaille correctement sans gêne. Le Burkina, ça a été la même chose. Le Niger, ça a été la même chose. C'est pourquoi, et le Sénat français, et le Sénat américain, ils se posent la question comment nos dirigeants arrivent à communiquer et les Américains et les Européens n'arrivent plus à intercepter nos communications. Parce que nous avons basculé sur un système de communication russe et il est difficile de percer, de casser les codes à ce niveau-là. Donc, nos autorités arrivent à échanger et nos communications sont préservées. C'est pourquoi le Mali a créé la surprise à tous les niveaux, en chassant la MINUSMA, la France, la prise de Kidal, tout ce que vous connaissez. Et nous arrivons aujourd'hui à suivre et à traquer les terroristes, les neutraliser. Alors que Ousmane Sonko se pose la question, comment en un temps record, le Mali a pris la main
sur son renseignement. Parce que tant que le Sénégal ne comprendra pas que sa force et sa faiblesse résident dans le renseignement, il faut prendre en main le renseignement. En ce moment-là, commencer à travailler dans tous les domaines. Parce que quand vous avez un bon service de renseignement, vous avez toutes les informations dans le pays. Toutes les informations que vous voulez. Et c'est en fonction de ces informations. Si vous n'avez pas un bon service de renseignement, quelle information vous allez avoir sur le franc CFA? Quelle information vous allez avoir sur les pratiques mafieuses dans le pays? Il faut avoir un service de renseignement. Et pour avoir le service de renseignement, tous les vendus qui sont là, il faut les dégager. Il faut nommer des personnes de ressources intègres. Il faut reprendre en main le renseignement au niveau du Sénégal. Et ensuite, commencer à renégocier la présence militaire sénégalaise et américaine. Et reprendre tous les dossiers en ce qui concerne la passation des marchés, que ce soit de gré à gré ou par appel d'offres. Et ensuite, regardez le franc CFA. Nous, aujourd'hui, le franc CFA ne nous est pas profitable. Pourquoi? Parce que le franc CFA est devenu aujourd'hui une arme non seulement de domination, une arme coloniale, mais une arme encore d'oppression et de répression. On l'a vu avec le Burkina, on l'a vu avec le Niger, on l'a vu avec le Mali. Donc, on a tiré la leçon et on veut sortir pour avoir notre propre monnaie et compétir sur le marché international. Alors, si le Sénégal veut faire autant, il appartient au Sénégal. Nous ne disons pas que nous sortons, nous appelons le Sénégal. Nous ne voulons pas le Sénégal au sein de l'AS. Non, je le dis aujourd'hui. Pour le moment, que le Sénégal d'abord gère ses problèmes. Parce que, aujourd'hui, là, nous, dans nos pays, pour entrer dans l'AES, on ne veut pas un pays qui est occupé par une présence militaire étrangère. Tant qu'il y a une présence militaire étrangère dans ton pays, tu ne peux pas être membre de l'AES. Ça, au moins, c'est la réalité. C'est pourquoi quand les gens disent, ah, le Togo, le Sénégal, j'ai dit, mais est-ce que vous-même vous connaissez? Il y a les conditions d'adhésion. Et les conditions d'adhésion, c'est la souveraineté pleine et entière. Est-ce qu'il y a une base militaire au Mali? Est-ce qu'il y a une base militaire étrangère au Mali? Au Tchad? Et ça frôle. Au Niger? Au Burkina? Non. Non. S'il y a une base militaire qui doit être installée un jour dans le Sahel, ce sera sur l'accord des trois pays qui seront d'accord. Donc pour le moment, si tu fais partie de l'AES, il ne doit avoir aucune base militaire d'un État étranger sur ton sol. Si tel est le cas, tu ne peux pas rentrer au sein de l'AES. Donc c'est pourquoi je dis que le Sénégal ne peut pas. Et on n'est pas prêt à accepter le Sénégal parce que le Sénégal, il faut que le Sénégal revoie d'abord sa coopération militaire avec. Parce que le Niger a réitéré, ce sera le mot de la fin. Partagez, je vous en prie, je sais qu'on a été sérieusement attaqué. Vous pouvez retrouver l'intervention de Laurent Gbagbo un peu plus tard. Ici, par exemple, quand vous regardez, je vais vous amener ici rapidement. Le Niger, où est le Niger là? Je vais vous faire écouter. Voilà. Le Niger a réitéré encore sa demande. Communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre. Bon, ici, le Niger réitère encore. Et cette fois-ci, le Niger allait beaucoup plus loin. Le Niger a rompu toute forme de relation de coopération militaire avec les États-Unis. Donc, plus rien. Non, mais pas. Alors, aujourd'hui, c'est un peu ça. Nous sommes en train de travailler dans une forme de souveraineté. Et notre souveraineté, elle est pleine et entière. On ne veut pas une souveraineté à moitié, une souveraineté à moitié. C'est-à-dire, vous avez une souveraineté sécuritaire, politique, administrative, territoriale, mais vous n'avez pas une sécurité monétaire. Il y a un problème, bien sûr, le problème. Alors, aujourd'hui, lorsque le Sénégal va commencer les négociations sur le franc CFA, vous croyez qu'Alassane Ouattara va rester en retrait? Et le souhait d'Alassane Ouattara, c'est que le Sénégal commence les négociations sur le franc CFA pour que lui, sa quatrième candidature, soit adoubée par Macron et que lui, il vienne, il jette les bâtons dans les roues du président Faye pour l'empêcher de procéder aux réformes. Et ils vont utiliser tous les moyens pour faire en sorte que le président Faye et son premier ministre peut-être même se retrouvent à couteau tiré. Il y a une possibilité. Mais à ce niveau-là, moi, je n'ai pas peur. Il appartient à Faye. Parce que peut-être qu'on ne connaît pas aussi cela en l'homme. L'homme, il est déterminé, il est engagé, il est un homme de principe. Il est un homme de principe et je fais absolument confiance. Je sais qu'au moment venu, les gens vont s'activer, ils vont les mensonges, essayer de manipuler. Mais je crois qu'il va rester serein. Et puis c'est le Sénégal qui gagne. Dans tous les cas, s'il réussit cette mission noble, c'est le Sénégal. Rien n'est impossible. Sonko a dit quelque chose et le président Faye a repris. Il dit, les élites africaines sont complexées. Eux, ils sont décomplexés. Ça veut dire beaucoup de choses. J'ai l'habitude de vous dire, nos responsables, pas chez nous ici au Mali, pas dans l'AES, mais que très souvent, on a des responsables africains zélés et complexés. Devant le petit blanc, ils ont peur. Devant le petit blanc, ils sont complexés, ils ont honte, ils sont gênés, ils se font tout petits. C'est ça qui est là. Et ils disent qu'ils ne sont pas complexés, ils sont décomplexés.